n'est qu'un début, évidemment, il y en a de la gigue. Ce soir, nous avons vu, pour commencer cette émission, Mme Évarène Thibodeau et Mme Ida Poulin. C'était bien leur gigue, n'est-ce pas? Comme on le fait si bien, d'ailleurs, dans la Beauce. Eh bien, nous aurons maintenant une chanson par Mme Céline Rodrigue. Bonsoir, Mme Rodrigue. Oui, vous voulez chanter pour nous? Oui. C'est quoi votre chanson? Sur la rime pom-pim. Sur la rime pom-pim, allons-y. Sur la rime pom-pim, pom-pim et la roulette. Sur la rime pom-pim, pom-pim et la roulette. Mon père et puis ma mère n'avaient que mon enfant. Mon père et puis ma mère n'avaient que mon enfant. Ils m'envoient à l'école, l'école du rang. Sur la rime pom-pim, pom-pim et la roulette. 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 Ils m'envoient à l'école, l'école du rang. Ils m'envoient à l'école, l'école du rang. Quand les garçons voyaient, ils voulaient m'embrasser. Sur la rime pom-pim, pom-pim et la roulette. 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 Quand les garçons voyaient, ils voulaient m'embrasser. Quand les garçons voyaient, ils voulaient m'embrasser. C'est pas l'affaire des filles d'embrasser les garçons. Sur la rime pom-pim, pom-pim et la roulette. 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 C'est pas l'affaire des filles d'embrasser les garçons. C'est pas l'affaire des filles d'embrasser les garçons. Mais c'est l'affaire des filles de payer la maison. Sur la rime pom-pim, pom-pim et la roulette. 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 La maison. Quand la maison est nette, tous les garçons y vont. Sur la rime pom-pim, pom-pim et la roulette. 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 Quand la maison est nette, tous les garçons y vont. Ils ont fait 4 par 4 en frappe à du talon. Sur la rime pom-pim, pom-pim et la roulette. 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 Après 4 par 4 ans, frappe le salon. Et c'est comme ça se passe dans notre canton. Sur la rime pam, pam, pime la roulette. 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 Merci, madame. Saint-Jean-de-la-Lande est une petite municipalité située non loin de Saint-Georges-de-Beauce, à peine à 6 000 de ce grand centre d'affaires. Saint-Jean-de-la-Lande est aussi une petite municipalité entourée de plusieurs paroisses. Les quelques 800 personnes qui l'habitent contribuent à la réputation hospitalière du village. Du temps de la colonisation, les défricheurs durent abattre d'énormes quantités d'arbres et faire place à de grands champs propres à l'agriculture et à l'élevage. Bûcherons, graveurs et propriétaires de moulins à scie furent les premiers hommes à fouler la grande forêt d'où allait jaillir un jour l'actuelle municipalité de Saint-Jean-de-la-Lande. À cette époque, hormis l'agriculture naissante, le patelin entier tirait des richesses forestières le gagne-pain quotidien. Et puis, petit à petit, les terres prirent de l'ampleur et Saint-Jean-de-la-Lande tira du fruit des récoltes sa pleine subsistance. Mais bientôt, l'ère industrielle appela quelques ouvriers de la terre à se faire ouvrier dans les villes. Et Saint-Jean-de-la-Lande connut l'exode de ceux qu'elle avait vu naître. À l'entrée du village, le clocher de l'église rappelle aux voyageurs la dévotion des ancêtres perpétuée par les familles d'aujourd'hui. Et la charmante école Notre-Dame, dirigée par les Sœurs de la Charité Saint-Louis, où des générations d'enfants apprirent l'alphabet et l'arithmétique. Été comme hiver, les loisirs sont occupés par une foule d'activités saines et divertissantes. Les activités paroissiales se déroulent à la salle municipale, les activités sportives sur le grand terrain de jeu. Et durant la saison froide, tous se coiffent d'un casque de motoneigiste et participent aux activités planifiées par le prestigieux club de motoneige et de ski de fond. Saint-Jean-de-la-Lande a la vocation agricole. Ses belles fermes font la fierté de la population. Mais rue principale, quelques commerçants ont pignon sur rue. Ils sont au service des 800 habitants de la petite municipalité. Se côtoient une épicerie, un magasin général, une boutique de forge, le garage municipal et quelques artisans ébénistes. Saint-Jean-de-la-Lande et ses plaines ondulées plaisent à l'œil. L'air y est bon, ses habitants sympathiques. Vraiment tout pour plaire à des gens qui prônent le retour aux sources.
ça ressemble beaucoup, hein, c'est des petits jumeaux. C'est Yves et Yvon Vachon qui sont âgés tous les deux de 10 ans. Bravo! Les petits jumeaux, c'est numéro 1. Il y a Mme Julie Duval, qu'on aimerait bien entendre chanter aussi. Mme Duval? Oui. Mme Duval, vous chantez quoi, là, vous? L'Aïtou. L'Aïtou? Ben, nous autres, et tout. On chante. Là-haut sur la montagne, j'ai bâti ma maison avec un peu de paille et trois petits bâtons. L'Aïtou, l'Aïtou, la l'air, l'Aïtou, l'Aïtou, le haut. L'Aïtou, l'Aïtou, la l'air, l'Aïtou, l'Aïtou, le haut. L'Aïtou, l'Aïtou, la l'air, l'Aïtou, l'Aïtou, le haut. Gamelle dans laquelle je bois. L'Aïtou, l'Aïtou, la l'air, l'Aïtou, l'Aïtou, le haut. 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 Je n'ai qu'une chemise et trois petits mouchoirs. Je fais ma petite lessive à tous les samedis soirs. L'Aïtou, l'Aïtou, la l'air, l'Aïtou, l'Aïtou, le haut. 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 Je n'ai qu'une serviette pour me laver un peu. Je n'ai pas de couchette, je dors auprès du feu. L'Aïtou, l'Aïtou, la l'air, l'Aïtou, l'Aïtou, le haut. 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 Je n'ai pas de richesse, mais je possède un cœur qui est rempli de tendresse pour tous mes frères et sœurs. L'Aïtou, l'Aïtou, la l'air, l'Aïtou, l'Aïtou, le haut. L'Aïtou, l'Aïtou, la l'air, l'Aïtou, l'Aïtou, le haut. C'était vraiment des beaux laïtous, ça. Merci beaucoup, Mme Duval. Il y a M. Raoul Thibodeau aussi. Ça a l'air que c'est le mal commode, ça, hein? Oui, c'est lui? Ah, non. Bonsoir. Je suis très gêné, M. Bizet. Quel âge avez-vous, M. Thibodeau? 48 ans. Vous l'avez dit qu'il était mal commode. Ah, oui. Sérieusement, là? Non, 67. On va 68 dans quelques mois. Dans quelques mois, 68, oui. Ma femme me se plaint de ça. Elle se lamente de ça? Oui. Ben, chantez-y donc une chanson, votre femme. OK, envoyez-nous. Première partie, Grégoire, t'en iras-tu sans frère? Première partie, Grégoire, t'en iras-tu sans boire? Une babine de beau, bière qui sans eau. Une babine de beau, bière qui sans eau. Deuxième partie, Grégoire, t'en iras-tu sans boire? Deuxième partie, Grégoire, t'en iras-tu sans boire? Deux poulets rôtis au flot. Une babine de veau, bien rôtie sans eau. Une babine de veau, bien rôtie sans eau. Troisième partie, Grégoire, t'en iras-tu sans boire. Troisième partie, Grégoire, t'en iras-tu sans boire. Trois bouquins sur le bord de l'eau, deux poulets rôtis au flot. Une babine de veau, bien rôtie sans eau. Une babine de veau, bien rôtie sans eau. Quatrième partie, Grégoire, t'en iras-tu sans boire? Quatrième partie, Grégoire, t'en iras-tu sans boire? Beau 4-4, quartier de beau, trois beaux canards sur la bord de l'eau, deux poulets rôtis au flot, une babine de beau, bien rôtis sans eau. Une babine de beau, bien rôtis sans eau. Cinquième partie, Grégoire, t'en iras-tu sans boire? Cinquième partie, Grégoire, t'en iras-tu sans boire? Gigot, mouton, macabron, beau 4-4, quartier de beau, trois beaux canards sur la bord de l'eau, deux poulets rôtis au flot, une babine de veau, bien rôtis sans eau. Une babine de veau, bien rôtis sans eau. Sixième partie, Grégoire, t'en iras-tu sans boire? Sixième partie, Grégoire, t'en iras-tu sans boire? Si Padre Boudi, mon ami, Saint-Gigot, mouton, macabron, beau 4-4, quartier de beau, trois beaux canards sur le bord de l'eau, deux poulets rôtis au flot, une babine de veau, bien rôtis sans eau. Une babine de veau, bien rôtis sans eau. Septième partie, Grégoire,
t'en iras-tu sans boire? Septième partie des bois, t'en iras-tu sans boire? C'est la présent brasse qui portera leur sort. Si Padre Bougy, mon ami, Saint-Gigon, Mouton, Macabon, vos quatre à quatre quartiers de beau, trois beaux canards sur le bord de l'eau, deux poulets rôtis au flot, une babine de veau, bien rôtis sans eau. Une babine de veau, bien rôtis sans eau. Où est-ce que vous avez pris ça, une babine de veau comme ça? Ah, hein? C'est quand je suis marié, ça. Ouais. Elle m'a montré ça la première fois, je suis fait avec. Ah. Merci beaucoup, M. Thibodeau. Maintenant, place à la danse. On a des groupes qui sont organisés aussi pour faire la danse. On appelle leur danse 2 plus 2, je pense. Ils vont s'approcher et moi, pendant ce temps-là, j'aimerais ici vous présenter nos musiciens. Au violon, M. Henri-Paul Morin. Bonsoir, M. Morin. Bonsoir, M. À l'accordéon, M. Jean-Yves Rodrigue. Bonsoir, bonsoir, M. Rodrigue. À la contrebasse guitare, M. Richard Thibodeau. Et à la guitare, M. Bernadette Rodrigue. Vous êtes parent avec une violonneuse, peut-être? Non. Non? Vous n'êtes pas parent. Mais non, c'est pas... Je pensais que c'était... Non, c'est l'accordéoniste qui est un Rodrigue. C'est pas parent non plus? Pas parent. Ah bon, il y en a des Rodrigues par là, de toute façon. Oui. Alors, écoutez, si tout le monde est prêt pour la danse, là, les musiciens, en tout cas, vous avez l'air prêts, ben allez-y donc d'abord. En avant la musique! Thank you.
y en avait sur la bête, bête, bête chez Madame Gervaise. Oui, du fun, y en avait. Oui, du fun, y en avait. Ma fille pour labourer, où qu'il n'y avait pas de terre. Ma fille pour labourer, où qu'il n'y avait pas de terre. Dans mon chemin raconte, un homme chargé de fraises chez Madame Gervaise. Oui, du fun, y en avait sur la bête, bête, bête chez Madame Gervaise. Oui, du fun, y en avait. Oui, du fun, y en avait. Dans mon chemin il y en avait sur ma bête, bête, bête chez Madame Gervais. Oui, du fun, il y en avait. Oui, du fun, il y en avait. Je le prie, je le secoue, il tombe des framboises. Je le prie, je le secoue, il tombe des framboises. Il m'a tapé sur la grosse orteille, qui m'a fait saigner l'oreille chez Madame Gervais. Oui, du fun, il y en avait sur ma bête, bête, bête chez Madame Gervais. Oui, du fun, il y en avait. Oui, du fun, il y en avait. Ici, ma tante Gervaise, c'est Madame Germaine Bureau. Il a bien fait ça, d'ailleurs. Merci beaucoup. Merci, Madame Bureau. Eh bien, maintenant, nous allons autour de notre grande table, parce que nous aimerions ici profiter de l'occasion pour présenter son honneur le maire de Saint-Jean-de-la-Lande, c'est M. Normand Rodrigue. Bonsoir, bonsoir, M. Rodrigue. Bonsoir, M. Bilodeau. Et il est accompagné de son épouse, Madame la mairesse. Bonsoir. Eh bien, M. le maire, on aimerait vous faire parler un petit peu de Saint-Jean-de-la-Lande. Donc, vous êtes maire depuis combien de temps, exactement? Ça fait deux termes, ça fait quatre ans. Ah bon? C'était le maire. Ah, ça fait quatre ans, déjà. D'accord. Oui, vous étiez conseiller avant J'ai ça. Été conseiller six ans oui. avant d'être le maire. Puis vous n'êtes pas dans la commission scolaire aussi? Ah, une autre fonction, oui. Oui. Je suis directeur de la commission scolaire de Saint-Jean. Pas directeur de l'école, mais directeur de la commission scolaire des Arabes. Bon. Parce que ça aurait été regroupé, Saint-Jean. Oui, 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 oui. Bien, on va revenir à la municipalité, si vous voulez. On va faire à semblant qu'on est rendu à table du conseil avec vous autres. C'est de quoi est-ce qu'on parle plus souvent là, chez vous, au conseil? On parle un peu dans toutes sortes d'affaires, si vous voulez, mais il y a toujours question de, comme les autres municipalités, Acadieux et Égout. Ben oui. Ça vient souvent sur le tapis. Oui, ça. Hein? Ah oui. Vous avez déjà commencé votre projet d'Acadieux et Égout? Oui, on a un projet il y a quatre ans qui a été fait, mais là, présentement, on est en train d'en construire un autre. Ah bon? C'est-à-dire un raccordement. C'est ça. Maintenant, ce n'est plus un projet. Non. C'est une réalité. C'est ça. C'est à laquelle réalité. Vous voulez ajouter, là. Oui. Ça a été accepté, c'est tout frais, tout neuf, oui, hier midi. Ah bon, qu'est-ce que... Ah, tiens, c'est une grande nouvelle, ça. Oui, pour le ministère de l'Environnement, oui, le ministère des Affaires municipales. Qu'est-ce que vous ajoutez exactement, monsieur ben, le maire? C'est un raccordement, ça, à cause qu'il y a un projet d'une rue, puis des maisons unifamiliales qui va... Puis ça vous prend... Ça prend plus d'eau. Plus d'eau. On avait passé présentement. Alors ça va se faire. Ça va se faire oui. au cours des mois qui viennent. Oui, oui. Mais ça veut dire qu'il y a un développement chez vous, au niveau oui. résidentiel en tout cas, là. Bien, on est près de la ville, 5,5 de la ville, et c'est pour ça que les gens se construisent chez nous. Et plusieurs viennent se construire. De plus en plus, tous les ans, on augmente. Oui. Parce qu'il y a eu une baisse, d'après ce qu'on a entendu dans le texte sur le film, là, il y a eu une baisse de la population à un moment donné, un exode, si l'on veut. Oui, ça a baissé, mais présentement... Actuellement, c'est en remontée. Ah, oui. Très. Et puis les gens, vous avez parlé de la ville, c'est Saint-Georges-de-Beauce. Saint-Georges-de-Beauce, oui. Proche. C'est 5,5 entre les deux églises, comme on dit. C'est ça. Alors, ça veut dire que, en plus des cultivateurs, évidemment, qui font la prospérité, si l'on veut, de Saint-Jean-de-la-Lande, il y a aussi des gens qui vont travailler à Saint-Georges-de-Beauce. Oui, on a des gens qui travaillent dans les forêts. Ah, dans les forêts aussi. Ah, bon. Oui. Après ça, on a plusieurs femmes et filles qui vont travailler à Saint-Georges parce que... Dans le vêtement, par exemple, les manufactures à Saint-Georges. Mais est-ce que vous n'avez pas l'intention d'essayer d'organiser, en tout cas, des industries chez vous? Ben, gardez vos gens. Oui, présentement, il y en a une petite industrie qui a commencé. Si vous voulez, on appelle ça une petite, nous autres, parce qu'en commencement, c'est un moulancier qui va se faire à Saint-Jean. Oui. Mais il va détailler du bois. Oui. Mais vous êtes aussi ouvert à tout autre industriel qui voudrait aller s'installer. Ah oui, pour ça, on voudrait bien, parce que présentement, on va profiter des systèmes d'Acadieux et d'Égout. On est après travailler sur un nouveau camion en incendie aussi, que j'ai pas parlé tout à l'heure. Bon. Ça va pouvoir... Ça veut dire que les services, vous avez des services on a à offrir aux industriels. Vous êtes bien situé aussi. Vous avez l'espace voulu, on a l'espace voulu. Puis on a du terrain aussi qui peut être pour une industrie quelconque. Puis vous avez la main d'œuvre. On a la main d'œuvre aussi, féminine, masculine. Mon Dieu Seigneur, il manque rien. Puis un maire dynamique. Il y a tout ce qu'il faut. Monsieur le maire, on vous remercie. C'est très gentil d'être venu merci beaucoup, à notre soirée. Maintenant, Monsieur le curé ne pouvait pas être là. Monsieur le curé, non, il était gardé chez eux.
deux parce qu'il y avait un mariage ce matin. Puis après dîner, à 2h30, il y avait une messe. Puis il n'y avait pas personne pour le remplacer. Oui, on n'a pas de vicaire à Saint-Jean. La paroisse était trop petite. Bon, ça a été impossible. Ouais. C'était un nouveau curé que vous avez, n'est-ce pas? C'est un nouveau curé qui a à peine 4-5 mois qui est arrivé à Saint-Jean. Ouais. L'abbé. Le père Armand Chaumont. Chaumont, qui est un jésuite. C'est un jésuite, on disait, oui. Alors, je vais le saluer. On a ici, je pense, le secrétaire de la fabrique, c'est ça? Qui est à mes côtés ici. Oui. C'est M. Gérard Duval, c'est ça? Bonsoir, M. Duval. On vous remercie d'être venu à notre soirée, surtout d'avoir amené votre épouse qui nous a fait une petite chanson tantôt. Elle chante très bien, d'ailleurs. Maintenant, puisqu'on vous a ici à nos côtés, en plus de vous saluer, on va vous demander de nous désigner la prochaine personne qui doit chanter. Vous n'avez pas une préférence? On aurait notre violoneux, là, M. Il chante en plus de jouer le violon, oui? Seigneur de la vie, j'ai hâte de l'entendre. C'est votre... Comment est-ce qu'il s'appelle, déjà, M. Morin? Henri-Paul Morin. M. Henri-Paul Morin. Chantez-vous d'autres chansons, M. Morin. Je me suis fait faire une paire de souliers qui sont faits à mon pied. Si vous me permettez un instant, je vais vous raconter comment ils sont faits. Je vais vous raconter comment ils sont faits. La 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 la. Les enfants sont faits avec du gosier de Soulon. Ça ne prendra jamais l'eau, dites-moi si j'ai raison. À la porte des tavernes, je me sens attiré. Ça me prend tellement fort que je peux pas résister. Ça me prend tellement fort que je peux pas résister. La 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 la. Les lacets sont faits avec la peau d'anguille. Le jour ça élonge et le soir ça fortille. J'ai mis toutes mes forces pour les attacher. Je vous dis sans reproche, j'ai pas pu les casser. Je vous dis sans reproche, j'ai pas pu les casser. La 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 la. Les talons sont faits avec du nez de cochon. Je peux me promener partout, mais pas dans les salons. Pour aller voir ma blonde, c'est un peu mal commode. Faut que je fasse des détours par toutes sortes de petits chemins. Faut que je fasse des détours par toutes sortes de petits chemins. La 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 la. La doublure est faite avec de la peau de vieille fille. Souvent que ça chauffe, mais jamais que ça grille. J'ai eu de la misère à m'en accoutumer. Maintenant que je les porte, je ne peux plus m'en passer. Maintenant que je les porte, je ne peux plus m'en passer. La 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 la. Les semelles sont faites avec du vieux taureau qui ne tenait plus dans les clos. Je leur ai trouvé un tout petit défaut. C'est quand je pars à marcher, je ne peux plus m'arrêter. Quand je pars à marcher, je ne peux plus m'arrêter. La 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 la. Je vous félicite, M. Morin. C'est vraiment une bonne chanson. Où est-ce que vous avez pris ça, chanson-là? Bien, c'est-à-dire, c'est pas l'original. J'ai composé la plupart des mots parce que j'ai pas pu retrouver l'original. Bien, savez-vous, vous en avez fait une version extraordinaire. Ah, on va garder ça dans un cahier, à quelque part. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Je vous remercie. Voulez-vous retourner à votre place parce qu'on aurait quelqu'un à faire giguer? Puis évidemment, ça nous prend le violonneux. C'est énorme à tous les talents, si l'on veut. Est-ce que vous avez déjà votre violon dans vos mains, là? Ah, oui. Oui? L'archette, puis tout ce qu'il faut, puis vous êtes d'accord. Bien, écoutez, moi, j'aimerais ici inviter M. Donat Lachance à nous faire sa gigue. Allez-y, M. Lachance, en avant la musique. Thank you.
petite femme, c'est commode, et quand on l'a à tous les goûts. Une petite femme, c'est commode, quand on l'a à tous les goûts. Si personne ne veut l'acheter, vous la crocherez au glou. Si personne ne veut l'acheter, vous la crocherez au glou. Vous prendrez un peu de paille et y mettrez le feu en dessous. Une petite femme, c'est commode, quand on l'a à tous les goûts. Une petite femme, c'est commode, quand on l'a à tous les goûts. Vous prendrez un peu de paille et y mettrez le feu en dessous. Vous prendrez un peu de paille et y mettrez le feu en dessous. Si le feu ne veut pas prendre, vous la ramènerez chez nous. Une petite femme, c'est commode, quand on l'a à tous les goûts. Une petite femme, c'est commode, quand on l'a à tous les goûts. Monsieur Guy Vachon, qui nous a présenté sa petite femme qui est commode. Il faut qu'elle soit là tous les jours. Oui, pas mal commode, commode. Commode, oui, c'est ça. Il y a Monsieur Eugène Quirion aussi qui chante. Bonsoir, Monsieur Quirion. Bonsoir, Monsieur Demilado. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous, Monsieur Quirion? Oh, comme je suis là, je suis probablement rentier. Dans l'âge d'or. Vous êtes dans l'âge. Quel âge avez-vous? 69. 69 ans? 70, moi, quelqu'un. Ah, ouais, on vous donne pas ça jamais. Qu'est-ce que c'est, vous chanteriez pour nous autres, là? C'est un petit bonhomme. Petit bonhomme. Petit bonhomme. Oh, comme ça. Oui, allez-y. C'était un petit bonhomme, un petit bonhomme tout rond. C'était un petit bonhomme, un petit bonhomme tout rond. S'en allait dedans la ville, la tontine. À cheval sur le cochon, la tontaine et la tonton. À cheval sur le cochon, la tontaine et la tonton. S'en allait dedans la ville, à cheval sur le cochon. S'en allait dedans la ville, à cheval sur le cochon. Quand il fut dedans la ville, la tontaine, y a-t-un tiré du canon, la tontaine et la tonton. Y'a-t-un tiré du canon, la tontaine. Quand il fut dedans la ville, y a-t-un tiré du canon. Quand il fut dedans la ville, y a-t-un tiré du canon. Le bonhomme eut tant de peur, la tontine, il s'est sali sous ses talons, la tontaine et la tonton. S'est sali sous ses talons, la tontaine et la tonton. Le bonhomme eut tant de peur, il s'est sali sur ses talons. Le bonhomme eut tant de peur. Tontine, le suivaire et des torchons, la tontaine et la tonton. Le suivaire et des torchons, la tontaine et la tonton. Tous les dames de la ville, le suivaire avec des torchons. Tous les dames de la ville, le suivaire avec des torchons. Je vous remercie, mesdames, la tontine, de jouer avec vos torchons, la tontaine et la tonton. De jouer au torchon, la tontaine et la tonton. Je vous remercie, mesdames, de jouer de vos torchons. Je vous remercie, mesdames, de jouer de vos torchons. Quand vous passez par chez nous, la tontine, n'oubliez pas la maison, la tontaine et la tonton. N'oubliez pas la maison, la tontaine et la tonton. Il y en avait encore. Mais c'est très joli. C'est une très belle chanson. Vous avez pris ça où, monsieur? Mon grand-père. Ah, mon Dieu, Seigneur. C'est vieux. Conservez ça, hein? Puis faites-les chanter à d'autres aussi pour pas que ça meure, une chanson comme ça. Merci beaucoup, monsieur Quirion. Très beau. Il y a une toute petite bonne femme extrêmement charmante qui chante bien aussi, vous allez voir. C'est Jacinthe Doyon. Elle a 10 ans. Bonsoir, Jacinthe. Qu'est-ce que c'est que tu vas chanter pour nous autres, là? Une grosse bonne femme. Une grosse bonne femme? Chantée par une petite bonne femme. On y va. C'était une grosse bonne femme qui voulait naviguer. C'était une grosse bonne femme qui voulait naviguer. Qui voulait naviguer, ne savait pas comment. Youpe, youpe sur la rivière, vous ne m'entendez guère. Youpe, youpe sur la rivière, vous ne m'entendez pas. Youpe, youpe sur la rivière. Elle a pris son gros vent, tant pis ta bâtiment. Youpé,
C'est pas tout. Savez-vous, c'est pas tout. Jacinthe aussi, elle peut giguer. Ben d'ailleurs, on l'a vu tantôt. Mais on va faire giguer une toute petite avant elle. Ce sera Audrey Dallaire, qui est âgée de 5 ans. Après ça, on aura Jacinthe, qui va revenir âgée de 10 ans. Et ensuite, il y en a une petite bonne femme de 11 ans, Maryse Lapointe, qui va enchaîner tout ça. On est prêt maintenant pour la gigue. En avant la musique. Merci, vous giguez bien, M. Roy, comme un vrai beauceron. Merci. Maintenant, j'aimerais vous présenter ici nos doyens, M. et Mme Godefroy Paré. Bonsoir, M. Paré. Bienvenue pas, M. Paré. Asseyez-vous, je vous en prie, Mme Paré, bonsoir. Okay. Je vous regarde faire, là, vous, depuis tantôt. Vous avez l'air d'aimer ça, d'éveiller comme ça, vous, ah, M. Ah oui? Ah, jamais une. Non? Manquez pas ça. Non, pas ça. Puis vous étiez à Saint-Georges-de-Beauce quand on a présenté notre fête populaire. Oui, j'étais, oui. Puis j'étais assis à Rome, vous autres. Ah oui? Ah oui, j'avais pas un siège réservé. Ah, ben, toi, ah oui, pour m'assurer, pour vous voir. Pour vous connaître, mais pour vous voir. Oui, ah bon. Ah, puis là, puis là vous me reconnaissez. Ah oui, vous voyez, vous l'avez connu. Oui, oui, oui. Moi aussi, il me semble que je vous reconnais. Il me semblait que je vous voyais, là, pas loin, Saint-Georges. Oui, c'est ça, oui. Vous avez déjà chanté ou gigué? Non, jamais. Non? Jamais. Vous avez jamais fait ça? Jamais eu le temps. Non? Non. Puis Mme Paré, elle, est-ce qu'elle chante pas? Elle chantait, mais elle n'a plus. Vous chantez plus, là? Non, la voix éteinte. Ouais, la voix éteinte. Ouais. Fini. Fini, fini. On n'en parle plus. On n'en parle plus. Non. Quel âge avez-vous, M. Paré? Ah, rien que 81. J'ai failli recommencer ma vie. Ah, bon, ça commence juste à 81. Ben, juste à 81. On a le temps. Ah, on est pas pressé. On est pas pressé. Non. Et vous, madame? Moi, j'ai 77. Moi, j'ai 78, là, ben. Oui? Ah, bon. Ça fait combien de temps que vous êtes marié, là? 51 ans avec la troisième femme. Ah, c'est votre troisième femme? Ma troisième femme. Oui? Ouais. Ça fait combien de temps que vous êtes avec elle, là? 51 ans. Attendez un peu, là. 51 ans avec la troisième, puis la deuxième, elle... La deuxième, elle était 9 ans avec. Oui. Puis la première, oui, était 1 an et 4 mois. Oh, mon Dieu, Seigneur! Fait que, vous savez, il m'a passé de quoi, c'est dans la tête. Ben, je comprends, oui. Pas rien que dans la tête. Ouais. Vous avez plusieurs enfants? Les 12 vivants. 12 vivants? Oui. Avec madame, ou si vous êtes la première... 10 avec elle. 10. On a des trois lits. On a des trois lits. Vous en avez des trois lits. Il y en a un du premier lit, puis il y en a deux deuxième lits. Deuxième lit. Mais on a marié trois filles, à part ça. Trois filles.
Comment trois filles? Ben oui, moi j'ai trois filles. C'est pas des veuves? Non, non, non. Vous voulez pas que ça s'aille traîner, c'est moi qui vous laisse traîner. Ah, Seigneur la vie, il est correct, hein? En plus de ça, là, pour meubler vos jours, qu'est-ce que vous avez fait? T'es un cultivateur. Ah oui, ah bon. L'été, puis l'hiver, tu vas m'en aller dans le bois. J'étais 42 ans là, au chantier. Au chantier, ouais. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait au chantier? La, non, j'ai fait la cuisine tout ça de bras. Non, le bûcher de bois ou... Non, j'étais forgeron. Forgeron. Et puis, j'espotais même, vous savez, j'étais forgeron. Oui, oui. Maintenant, avec trois mariages, est-ce que vous avez fait un voyage de noces à un moment donné? Non, aucun. J'étais plus, j'étais pas en mode. J'étais trop pauvre, la première affaire. Première chose. Ouais. Pour les trois mariages, j'étais trop pauvre. J'étais trop pauvre. J'étais pas en mode pour ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre, non. Ben, vous dites, ah, j'étais pauvre, vous. Ben, c'est-à-dire que, oui, je pense bien. Ah, vous connu ça, la pauvreté? Oui, oui, je vous dirai honnêtement, j'ai connu ça, la pauvreté, certainement. Ah, vous connu ça assez pour pas être capable d'endurer la voiture? Écoutez, c'est-tu moi qui vous fais parler ou ben c'est vous qui me fais parler, là? Qu'est-ce qui arrive, là? On est après changer de rôle, là? Vous avez envie de me parler? Oui, oui, vous me demandiez ça. Vous demandez ça. J'ai pas compris votre dernière question, là. Vous avez parlé d'une voiture? Oui. Moi, j'étais trop pauvre pour endurer la voiture. Ah, vous étiez aussi pauvre que la voiture? Pour endurer la voiture. Oui? Ouais. C'est... mais qu'est-ce que ça signifie exactement, endurer la voiture? Ben, c'est à cause qu'il fallait remarquer à côté. Ah! J'étais pas capable d'endurer la voiture. Non, j'étais trop pauvre. Ouais. J'étais trop maigre. Ce temps-là, vous savez, les sièges étaient pas bourrés. Ben non. Mais avec il fallait remarquer à côté de la voiture pour être trop maigre. Ah, c'est ça l'affaire. Ah oui, les sièges t'as pas rembourré. Les sièges t'as pas rembourré, t'as trop dur pour moi. Ça va bien, oui. C'est une belle image, ça, que vous racontez là. C'est pas mal bon. Trop pauvre pour endurer la voiture. Les sièges t'as pas rembourré. Non, les sièges t'as pas rembourré. Ah, Seigneur, la vie. Dites-moi donc, il y en a d'autres qui vous interviewent en même temps, là, qui vous font parler en même temps. Dites-moi, est-ce que vous avez connu madame là-bas à Saint-Jean-de-la-Lande? Non, elle était à Sacré-Cœur de Jésus, elle. Elle était à Sacré-Cœur de Jésus. Que j'avais été, moi, pour placer mes enfants à l'Union Saint... à l'Orphelinat de Saint-Joseph. Mm-hmm. Et puis, quand il est sorti de là, j'ai dit, mes enfants, ils n'iront pas là. Mm-hmm. Et j'ai dit, on va les garder avec moi, mais ils vont garder pour me marier. C'est ça. Puis, je la connaissais, elle se retrouvait la cousine de ma deuxième femme. Ah bon. En posant, là, en descendant de Saint-Joseph, il a arrêté pour l'engager. Pour l'engager? Pour l'engager, oui. Et puis, il continuait à y aller. Puis, il l'engageait à l'année, pour ça. Oui. L'engagement était pour de bon. Pour de bon. Merci beaucoup, M. Paré, pour qu'on s'arrête là. Merci. Pas payé. Non, pas payé. Merci infiniment. Très bien. Il y a M. Thibodeau qu'on aimerait entendre encore chanter. Vous avez une autre chanson, M. Thibodeau? Certainement, hein? M. Bilodeau. Comment vous l'appelez, chanson-là? Fort la roulette à Nicolette. Faut se tricoter. Faut se tricoter. Fort la roulette à Nicolette. Faut se tricoter. Allons-y. Vous m'avez fort la roulette à Nicolette. Maranicoté par Johnny Climem. Vous m'avez fort la roulette à Nicolette. Maranicoté par votre beauté. Maranicoté par votre beauté. Nous avons été tous invités. Nous avons été tous invités. Nous avons été tous invités. C'était pour aller souper, c'était pour aller souper. C'était pour aller souper, c'était pour aller souper. C'était sur mademoiselle Drouin, une jolie brunette. C'était sur mademoiselle Drouin, belle comme elle faut. Vous m'avez fort la roulette à Nicolette, maranicotée par jolie Climène. Vous m'avez fort la roulette à Nicolette, maranicotée par votre beauté. Maranicotée par votre beauté. Ils m'ont assis sur un fourneau, ils m'ont assis sur un fourneau. Ils m'ont assis sur un fourneau, ils m'ont assis sur un fourneau. Qui fut rempli de portéco, qui fut rempli de portéco. Qui fut rempli de portéco, qui fut rempli de portéco. J'en prendrai un morceau plaisant, ma jolie brunette. J'en prendrai un morceau plaisant, belle comme elle faut. J'en prendrai un morceau plaisant, belle comme elle faut. Vous m'avez fort la roulette à Nicolette, maranicotée par Johnny Climène. Vous m'avez fort la roulette à Nicolette, maranicotée par votre beauté. Maranicotée par votre beauté. Je vais vous arrêter dans votre chanson parce qu'on voudrait vous faire giguer aussi. Justement. Voulez-vous giguer? Ah. Envoyez donc, en avant la musique. Pour la gigue.
bien, c'est déjà terminé. Nous disons merci à toutes ces bonnes gens de Saint-Jean-de-la-Lande dans le comté de Beauce et particulièrement à l'organisatrice, Mme la mairesse, Mme Jeanne d'Arc Rodrigue. Merci beaucoup, Mme Rodrigue. Vous recevrez la photo souvenir qu'on voit ici, de même que les micro-sillons. Vous pouvez l'applaudir. Mme la mairesse, on vous remercie. HLTTV de nous avoir bien reçus et ainsi de sincères remerciements à tout le groupe avec qui j'ai travaillé ensemble. Oui. C'était fantastique, madame. C'est elle aussi qui a fait le texte et nous remercions une autre, madame Rodrigue aussi, qui a fait, non, madame Doyon, excusez, qui a fait l'accompagnement de piano pendant les répétitions. Nous allons vous revenir la semaine prochaine. Entre-temps, on terminera tout ça avec les danseurs. Approchez-vous donc, s'il vous plaît. N'oubliez pas que chaque samedi soir, maintenant à 7 heures, c'est votre soirée canadienne. J'espère que vous serez au rendez-vous la semaine prochaine, alors que de nouveau, le folklore québécois sera en fête. Bonne semaine, tout le monde. À la prochaine. Allez-y donc, en avant la musique.